je suis née donc en Corse, à Ajaccio. De suite, donc en étant, je dirais, toute petite, hein, c'était le dessin, le français et la gymnastique. J'adorais la gym. Donc en fait, très attirée par la puissance, je dirais, des corps humains. Donc c'est probablement un peu de là que vient, je dirais, cet engouement que j'ai pour la nature humaine. En grandissant, je suis partie faire mes études, donc Ajaccio, Bastia, à l'école municipale d'art plastique. Des cours d'histoire de l'art, de dessin, de peinture, de céramique, de sculpture. 4 années à apprendre vraiment, je dirais, tout ce qu'il y avait à apprendre. Le corps humain est au centre de l'œuvre de Christine Paoli. Elle en explore chaque muscle, chaque articulation, chaque veine, chaque détail, pour en exprimer la beauté avec une grande précision. Le spectateur peut être surpris dans un premier temps par la représentation de ces corps omniprésents, offerts au regard dans toute leur nudité et leur intimité. Mais très vite, il est séduit par l'harmonie des formes et des couleurs, servi par une grande maîtrise du geste. J'ai peint énormément pour moi. Fin 89, j'ai fait une exposition. Ça a bien marché. Et puis, je me suis arrêtée. Disons que de voir partir les toiles, ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur. Donc, j'ai commencé, en fait, à peindre, mais uniquement pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les années passaient, que ma peinture manquait probablement de maturité. Et j'ai carrément posé les pinceaux, voilà, pour vivre une vie, je dirais, de femme. Et j'ai vraiment repris les pinceaux en 2009-2010, et là, je ne me suis plus arrêtée. Christine Paoli est née à Ajaccio, a étudié à Bastia et vit aujourd'hui dans la région de Folie. D'un tempérament passionné, c'est aussi de cette façon qu'elle pratique son art, se nourrissant sans cesse et s'inspirant de ses maîtres, comme Ingres ou Delacroix. L'artiste passe de longues heures dans son atelier, se confrontant à des techniques longues et difficiles comme le glacis acrylique ou le glacis à l'huile. Christine Paoli expose peu, considère davantage l'art comme une quête personnelle qu'elle aime partager avec ses amis. J'ai une formation de sculpteur. J'ai pas une formation de peintre. Forcément, je sais pas pourquoi, j'ai cette façon de peindre où je veux du volume. Donc je ne peins que des ombres et je laisse la lumière se faire toute seule. Il y a plusieurs techniques, forcément. Donc la base, c'est toujours la même. Le dessin, c'est la base de l'art, de n'importe quel art. À mes yeux, c'est très important parce que lorsqu'on veut forcément construire un corps humain, il faut connaître le squelette, l'anatomie, pour pouvoir en fait transmettre, pour pouvoir capter l'émotion que le modèle veut bien donner. Parce qu'il y a des modèles, malheureusement, l'osmose ne passe pas et les œuvres ne sont pas forcément abouties. C'est pour ça que dans mon parcours, en général, les gens qui posent pour moi sont des amis. Parce que comme je les connais, forcément, je capte autre chose que je vais faire passer dans la toile et que j'essaye de retranscrire. C'est plus qu'une technique, c'est une émotion. J'ai une fascination pour l'être humain. Je sais qu'en lui, il y a du bon et du mauvais, mais je veux toujours croire au meilleur. Je ne sais pas faire de fleurs. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de donner une émotion par rapport à l'être humain et non pas par rapport à un paysage qui, franchement, des peintres font 100 fois mieux que moi, ce que j'admire d'ailleurs chez eux, et ça ne me dit rien de le faire, quoi. L'art, à mes yeux, ce n'est que de l'harmonie. Mais l'harmonie dans toute chose, l'harmonie dans le verbe, dans le geste, dans la teinte, dans la note, l'harmonie est essentielle. Je suis toujours autant fascinée par l'art
Je ne respire que par lui. Ça tourne presque, je dirais, à l'obsession, mais ce n'est pas l'obsession du bien faire, c'est l'obsession du partage. Je partage vraiment avec mes amis. Il m'apporte et je transcris. C'est ça, en fait, hein, l'essentiel. Mais l'essentiel, honnêtement, c'est l'harmonie. Vraiment, c'est pour moi le seul mot qui définisse. Et en fait, les seuls endroits où je me sente bien, c'est devant la toile. Thank you.